السلام عليكم. في هذا الفيديو غنحاول ندير تصحيح ديال الامتحان ليكزام 2021 ديال ميكانيك دي بوا بالنسبة لفيليير اس ام بي اس ام سي اس اه فوالا. بالنسبة لينونسي فوالا هما هادو لينونسي ديال ليكزيرسيس اه. غنحاول نقرا ليكزيرسيس لينونسي بويسكو لينونسي مكتوبين ربما ميبانوش مزيان. Dans l'espace rapporté des repères R, O, O, X, Y, Z, orthonormé, direct de vecteur I, J, K, un point matériel M décrit la courbe C dans le sens positif défini en coordonnées cartésiennes X, T, Y, T, Z, T, O, représente le temps X, T est égal T, Y, T, C, O, T, ou canard T, Z, T, C, O, T. Première question, déterminer l'équation de la trajectoire en déduire sa nature. Deuxième question, si calculer V n'est pas mentionné ici. Question 2, c'est déterminer le vecteur de vitesse, Vm, Vmr, et calculer son module. Troisième question, A, déterminer le vecteur accélération et déduire l'accélération normale et l'accélération tangentielle. C, déduire le rayon de courbe Rc en fonction du temps. C'est quatrième, dessiner l'allure entre T et 0,2 de trajectoire, c'est pas de rayon, c'est le trajectoire, c'est le dessin de trajectoire, c'est-à-dire la question, c'est-à-dire on dessine la trajectoire de la question A. Exercice 2, on considère, voilà. On passe maintenant à la correction de l'exercice A. Après je passe de même chose, de lire l'énoncé de l'exercice 2 et après la correction de l'exercice 2. Maintenant, la première question, c'est très facile. Elle est à peu près 8 points. Pour la première question, déterminer l'équation de la trajectoire, c'est seulement il suffit d'éliminer le temps dans l'équation yt au carnax t. Donc on remplace t par x, on trouve que y est égal à x au carré moins t. Donc c'est une équation de trajectoire. On doit déduire sa nature. Donc il s'agit d'un parabole. Puisqu'on a t au carré, donc on a un parabole. Donc il s'agit d'un parabole. Deuxième question, c'est déterminer la vitesse. Donc la vitesse, on a l'expression de vitesse, c'est d de om sur dt. Donc il suffit seulement d'exprimer om en fonction de xti plus ytj plus zt. Et k, on a zt égale 0 et on a xt égale t et yt égale t au carré moins t. Donc on dérive xt et on dérive yt pour trouver v. La même chose pour le module. Pour l'accélération, il suffit de dériver la v que nous avons obtenu dans la question 2. Binisbel B détermine la composition tangentielle. Donc on a la relation A ou l'accélération tout ça, oui. L'accélération normale tout ça, oui. L'accélération fois l'accélération que nous avons calculée dans la question 3 fois N. Et l'accélération tangentielle ou le composant tangentiel est égal à l'accélération fois taux. Donc, il suffit dans cette question de déterminer taux et n. On a taux est égal v sur le module de v. Et n est égal b, est égal b vectoriel taux. Dans ce cas, on a b est égal à k. Et on détermine n et après on fait le produit scalaire entre l'accélération et taux et l'accélération et n. Et on trouve le composant tangentiel et le composant l'accélération. Il existe autre méthode pour calculer le composant tangentiel, puisqu'on a le composant tangentiel est égal à la dérivée de v. La dérivée de v c'est dt, donc le composant tangentiel est égal à la dérivée de module de v c'est dt par rapport à t. Ça c'est la deuxième méthode. Pour calculer par exemple oméga n, on a oméga au carré est égal à oméga t au carré plus oméga n au carré. Et on peut déduire l'oméga n. Ça, c'est les deux méthodes pour suivre, pour calculer ou pour déterminer les composantes tangentielles et les composantes normales.
Pour le rayon, également, il existe deux méthodes. Pour la première méthode, on a l'accélération normale est égale V au carré sur RC. Donc, RC est égal V au carré sur l'accélération normale. L'accélération normale déjà déterminée dans la question 3B. Donc, et V est déjà déterminée dans la question 2, le modèle de V. Donc, on fait le rapport entre V et RC. Deuxième méthode, on a. On a le produit scalaire, le vectoriel, on a le produit vectoriel de B de vitesse fois l'accélération est égal V sur 3, V puissance 3 sur RC fois B. Donc le modèle de l'accélération fois, désolé, le modèle de la vitesse. Le modèle de vitesse vectorielle, l'accélération est égal V oscillatesse sur RC. Donc RC est égal V oscillatesse sur le modèle de V vectoriel, l'accélération. Voilà la réponse de la question 1. Comme j'ai déjà dit qu'il faut remplacer X par il faut remplacer T par X, on trouve Y T sur X ou carré moins X. C'est l'équation de la trajectoire. La nature, il s'agit d'une parabole. Deuxièmement, il suffit de déterminer OM en fonction de XT, YT, ZT. On fait la dérivée. Donc, V est égal à OM, c'est DT, est égal à I plus 2T moins Z, J. Le modèle est égal à 1 plus 2T moins Z au carré, racine. L'accélération, c'est la même chose, c'est la dérivée de V. On trouve l'accélération est égale de G. Déterminons la composante tangentielle et la composante normale. On a le composant tangentiel est égal à l'accélération. L'accélération de la question 3, c'est-à-dire de G fois taux. Donc, il faut calculer taux. Il faut déterminer l'expression de taux. On a taux est égal à V sur le modèle de V. Donc, est égal à 1 sur racine de 1 plus 2t moins z au carré. I plus 2t moins z sur racine de 1 plus 2t moins z au carré. G. Donc, on a oméga t est égal à 2g vectoriel. 1 sur racine 1 plus 2t moins z au carré i plus 2t moins z sur racine 1 plus 2t moins z au carré j. Donc j fois i est égal à 0 car j est perpendiculaire au normal à i. Donc j fois j est égal à 1. On trouve que gamma t, l'accélération tangentielle, le composant tangentiel de l'accélération est égal à 4t moins 2 sur racine de 1 plus 2t moins z au carré. Maintenant, pour la composante normale. On a la composante normale, c'est l'accélération fois n. L'accélération est égale à gn fois n. Donc, il faut déterminer n pour calculer la composante normale de l'accélération. On a b vectoriel taux est égal à n. Dans ce cas, on a b est égal à k car le sens est dans le sens positif. Donc, k vectoriel taux est égal à n. Donc, n est égal à k vectoriel taux. Taux, il est déjà déterminé. L'expression de taux, il est déjà déterminée. Et donc, on trouve que n est égal à 1 sur racine 1 z de t moins z au carré j moins 2t moins z sur racine 1 de t moins z au carré i. Car k vectoriel i est égal à j. K vectoriel i est égal à j. Et k vectoriel j est égal à moins i. Donc, finalement, désolé. Finalement, on a oméga n, l'accélération tangentielle est égale à 2g vectoriel n. On a g fois g est égal à 1 et g fois n i est égal à 0 car g est normal à i. Donc, oméga n est égal à 2 sur racine 1 plus 2t moins z au carré. On a la méthode 2 pour calculer l'accélération normale. On a oméga au carré est égal à t moins plus oméga n au carré. Donc, oméga n au carré est égal à oméga au carré. L'accélération au carré moins l'accélération tangentielle au carré. On a l'accélération au carré est égal à 2g au carré, c'est un 4. Et l'accélération composante tangentielle est déjà déterminée dans t est égal à 4t moins 2 sur 1 plus 2t moins z au carré. Est égal finalement, on trouve que oméga n au carré est égal à 4 sur 1 plus 2t moins z au carré. Oméga 1 est égal à 2 sur racine plus 2t moins z au carré. Donc on trouve le même résultat.
Bénisbalo, concernant le rayon, on sait que oméga 1 est égal à V au carré sur RC, donc RC est égal à V au carré sur oméga 1. Et donc on remplace V, V c'est le module, et oméga 1 par cette expression, on trouve que RC est égal à 1 demi fois 1 plus 2 t moins 0 au carré, puissance 2, puissance 3 sur 2. Sans tracer la trajectoire, donc on a trajectoire entre t entre 0 et 2, donc t pour 1 demi, on trouve x c'est 1 demi car t est égal à x, donc y c'est moins 3 sur 4. T est égal à 1, donc x est égal à 1, y est égal à 0, t est égal à 3 à la joue, donc x est égal à 3 à la joue, y est égal à 3 à la joue, 4. Et donc voilà la représentation. Maintenant, on passe à l'exercice 2 dans la partie de cinématique. Mais avant de passer à la correction, il faut lire l'énoncé de l'exercice. Voilà l'exercice numéro 2. On considère un repère absolu RA au XA, YA, ZA de base de Richt IA, JA, KA. Et un repère relatif R2 au X2, Y2, Z2 de base autonomie de Richt au I2, J2, K2. K2 est égal à KA. Voilà l'énoncé de l'exercice. La partie de cinématique, on a OM est égal pour OM est égal OM est égal à sin oméga t et 2. A est une constante positive. Voilà la correction de la partie de cinématique. On a la vitesse absolue, la vitesse relative. La vitesse relative, c'est Vm par rapport à R2. C'est d2om, c'est dt par rapport à R2. Avec om est égal à sin oméga t et 2. Dans ce cas, on a Vm, c'est aw, à oméga cos oméga t et 2. Car on a dérivé de sinus oméga t est égal à oméga cos oméga t. L'accélération relative, c'est gamma R2, c'est dérivé de la vitesse relative, c'est dt par rapport à R2, est égal à moins A W au carré sin oméga T2, c'est moins W au carré OM. Car dérivé de sin oméga de T est égal dérivé de cosinus oméga de T, c'est moins oméga sin oméga de T. Vitesse d'entraînement. Voilà, pour calculer la vitesse d'entraînement, on utilise la relation de l'expression de la vitesse d'entraînement, c'est DOA, O2, c'est dt par rapport à RA, plus oméga R2 par rapport à RA, vectoriel O2M. Dans ce cas, on a OA et O2 confondus. On a OA et O2 confondus, donc on a DOO, c'est dt par rapport à RA, plus oméga R2 par rapport à RA. Vectoriel OM. Voilà, on a la vitesse d'entraînement égale DOO sur DT par rapport à RA plus oméga R2 par rapport à RA. Vectoriel OM. On a OM égale A sin oméga T et 2 et oméga égale WKA, oméga KA. Donc finalement, on trouve que la vitesse d'entraînement égale A oméga sin oméga T J2. Car on a KA vectoriel I2 est égal J2. L'accélération d'entraînement. Voilà l'accélération d'entraînement. La relation pour calculer l'accélération d'entraînement. On a C, l'accélération d'entraînement égale D au carré OA O2, c'est DT au carré par rapport à RA, plus dérivé de oméga R2 par rapport à RA, c'est DT par rapport à RA, vectoriel O2M, plus oméga R2 par rapport à RA, vectoriel. R2, c'est RA, oméga, R2 par rapport à RA, vectoriel O2M. Comme j'ai déjà dit que O2, dans ce cas, est confondu avec O. Donc, dans ce cas, on trouve que D au carré OO, c'est DT au carré par rapport à R, plus D oméga R2 par rapport à DT par rapport à RA,
vectoriel OM plus oméga R2 par rapport à RA vectoriel oméga R2 par rapport à RA vectoriel OM. Donc l'accélération d'entraînement oméga OM t'est d au carré OO sur dt au carré par rapport à RA plus d oméga R2 par rapport à RA dt sur dt par rapport à RA vectoriel OM plus oméga R2 sur RA vectoriel oméga vectoriel OM. On a d au carré OO t'est 0 car on a OO est égal vecteur nil. Et on a d oméga sur dt est égal vecteur nil car oméga est égal wka t'est constante. Donc finalement on trouve que oméga om est égal oméga ka vectoriel entre parenthèses oméga a vectoriel a sin oméga t2. On a oméga a vectoriel a sin oméga t2 est déjà déterminé dans la question de vitesse d'entraînement est égal à oméga sin oméga tj2. Donc l'accélération d'entraînement est égal à wka vectoriel a oméga sin oméga tj2 lié à vitesse d'entraînement c'est moins a w au carré sin oméga ti2. Maintenant, on passe pour calculer l'accélération de Coriolis. L'expression de l'accélération de Coriolis égale 2 oméga R2 sur RA vectoriel VR, c'est la vitesse relative qui est déjà calculée dans la première question. Donc, l'accélération Coriolis, on sait que l'accélération Coriolis de M est égale 2 oméga R2 sur RA vectoriel, la vitesse relative M. On a oméga est égal à WKA. Et VR est égal à oméga cos WTI2, déjà calculé dans la question 1. Donc, l'accélération Coriolis de M est égal à 2A oméga au carré cos oméga TJ2. Maintenant, on passe pour calculer la vitesse absolue de M. Donc, d'après le théorème de composition des vitesses, on a vitesse absolue de M est égal vitesse relative plus vitesse d'entraînement. Et la même chose pour l'accélération. On a l'accélération absolue est égal l'accélération relative plus l'accélération de Coriolis plus l'accélération d'entraînement. Donc la vitesse absolue, c'est la question F. D'après le théorème de composition de vitesse, on a VmRa, c'est oui, Vm par rapport à R2, c'est la vitesse relative, plus vitesse d'entraînement de M, est égal à oméga cos oméga TI2 plus A oméga sin oméga TJ2. L'accélération absolue. D'après le théorème de composition des accélérations, on a l'accélération absolue est égale l'accélération relative plus l'accélération entraînement plus l'accélération Coriolis. Finalement, on trouve que oméga, l'accélération absolue est égale moins 2aw au carré sin oméga ti2 plus 2aw au carré cos oméga tj2. Maintenant, on passe à la question 2. Dans la base IAJAKA, déterminer les coordonnées OM, XA et YA. Donc, dans cette question, on détermine OM dans la base IAJAI2. Donc, on a AM est égal à sinus oméga TI2. Donc, il faut remplacer I2 par cos oméga TIA plus sin oméga TJA. Et finalement, on trouve l'expression de M en fonction de IA et I2 et J2. Donc, IA, on doit déduire XA et YA. Et dans la deuxième question, on doit déduire l'équation de la trajectoire de M dans RA. Et on dit quelle nature de cette trajectoire. Voilà, on a OM est égal à sinus oméga TI2 déjà donné. Fait l'énoncé de l'exercice. Il suffit de remplacer I2 par cos oméga TIA plus
sinus oméga TGA, car I2 tetsiawi cos oméga TIA plus sinus oméga TGA, déjà donné dans l'énoncé, déjà donné fait le cours. Donc on trouve que finalement OM est égal à sinus oméga T cos oméga TIA plus A sin au carré oméga TGA. Donc OM tetsiawi XAIA plus YAJA. Donc XA tetsiawi A sin oméga T cos oméga T. Et YA tetsiawi A sin au carré oméga T. Dans ce cas, on remplace on a sinus oméga t cos oméga t, c'est-à-dire sin de 2 oméga t sur 2. Déjà donné dans l'énoncé de l'exercice. L'énoncé de l'exercice, qu'est-ce que sinus oméga t cos oméga t, c'est-à-dire sin de 2 oméga t sur 2. Ou on a sinus au carré de l'oméga t, c'est-à-dire 1 naqis cos de 2 oméga t sur 2. Donc finalement, on trouve que XA, c'est-à-dire A sin de 2 oméga t sur 2. و y تساوي a عامل لواحد ناقص cos 2 اوميجا تي سير 2 تساوي a 2 ناقص a cos 2 اوميجا تي سير 2. علاش بغيت نشرتها؟ اش تبان ليا داك الشبال اش تبقى الفورمي اللي فيه من cos وحده مثلا من غادي نرفع ابري غادي يبان علاش غادي نشوفها من غنبغي نديتيرمينو التراجيكتوار او ان اكس اي تيقال a سينس 2 اوميجا تي سير 2 وعندنا y a موان a2 ترجعوا هاد a2 لجيت y a تساوي y a موان a سير 2 تساوي موان a كوس 2 اوميغا تي سير 2. دونك هنا غادي نرفعوا الاس عطى لنا x a او كاري بليس y a موان a2 او كاري. عندنا x a قلنا كيما x a قلنا هي a سينيس سميتو غادي هي a او كاري سير 4 سين كاري 2 اوميغا تي. وأن y a موان a سير 2 أوكاري هو ناقص a كوس 2 أوميغا تي سير 2 الكل أوكاري اللي هي a أوكاري سير 4 كوس أوكاري 2 أوميغا تي. تنعملو بأ أوكاري سير 4 خاطر هي a أوكاري سير 4 عامل لسين أوكاري 2 أوميغا تي بليس كوس كاري 2 أوميغا تي. أونسي كوسينوس كاري ديال إكس بليس كوس كاري ديال إكس يعطينا واحد. دونك فينالمون أون تخوف كو x a au carré plus y a moins a sur 2 au carré, c'est a au carré sur 4. 3, c'est la trajectoire, la nature de la trajectoire. C'est une équation, l'équation de trajectoire, c'est un cercle. Donc la trajectoire est un cercle de centre, toujours le centre à dna hua, x a ma kinch à dna smito, donc centre x à dna 0. وفي الـ y هي a سير 2 دونك اون السونتر ديالها هو 0 a سير 2 اي دو غايون r تساوي a سير 2 كاغ اون ليكواسيون دو ليكواسيون ديال السيركل هي x موا a او كاري بليس y موا b الكل او كاري تساوي r او كاري. في هذه الحاله تكون عندنا السيركل عند السونتر ديالها هو a b ولو غايون ديالها هو r. دونك في هذه الحاله عندنا a a تساوي 0 والبي هو a سير 2 والريان هو A سير 2. Voilà l'énoncé de la partie B. C'est la partie de la dynamique ou l'étude dynamique. Cette même particule M glisse sans frottement le long X2 et elle est soumise à son poids P moins MJKE. À la réaction R, R taux I2 plus RNJ2 plus RZKE et à une force F est égale à F fois I2. Justifie que la composante RT de la réaction R est nulle. Donc pourquoi RT est égal à 0? Car M glisse sans frottement. C'est tout simplement. En utilisant l'accélération absolue V calculée dans la partie A et en appliquant le principe fondamental de la dynamique. Donc, principe fondamental de la dynamique dans le repère RS, c'est-à-dire le repère absolu. Donc, c'est le sigma des forces extérieures est égal à m fois l'accélération absolue. C'est-à-dire P plus F plus R est égal à m fois l'accélération absolue. Et en fait, on déduit F et R. Il faut remarquer ici qu'on a F, c'est un vecteur. Donc, il faut projeter. Il faut utiliser la projection et après on détermine F et après on déduire. Et on peut également déterminer F directement à partir de l'équation fondamentale sans projection.
Mais R, pour R, il faut calculer RT, RN et RZ et après déduire R. Ministre, la question 3, déterminer les forces d'inertie. Donc, dans la question 3, on détermine les forces d'inertie, c'est-à-dire forces d'inertie d'entraînement et forces d'inertie de Coriolis. Puisqu'on a la force d'inertie, par exemple, d'entraînement est égale moins 1 fois l'accélération d'entraînement, et force de Coriolis est égale moins 1 fois l'accélération de Coriolis, l'accélération de Coriolis et d'entraînement est déjà calculée dans la partie cinématique. Donc, appliquer le principe fondamental dans le référentiel mobile R2. Donc, on applique le principe fondamental dans le repère R2 pour trouver le même résultat que nous avons trouvé dans la question 2. Donc, le principe fondamental appliqué dans le repère relatif R2, c'est la sigma de force extérieure plus la force de Coriolis plus la force d'entraînement est égale à m fois l'accélération relative. Voilà la réponse de la question 1, puisque M glisse sans frottement le long de X2, OX2, donc RT est égal à 0. Deuxièmement, le principe fondamental de la dynamique dans la sigma des forces extérieures est égal à M fois l'accélération de 1 par rapport à RR, c'est-à-dire l'accélération absolue. On a le sigma des forces extérieures est égal à R plus P plus F est égal à M l'accélération. On remplace R et P et F par sa expression. On trouve RNJ2 plus RZ moins MJKE plus FI2 est égal à moins 2 à M W au carré sin oméga TI2 plus 2 à M W au carré cos oméga TJ2. Donc, projection sur I2, on trouve que F est égal à moins 2 à M W au carré sin oméga T. Donc, F, la vecteur F. Donc, j'ai oublié de faire le vecteur f. Donc, le vecteur f est égal à moins 2 à mw carré sin oméga ti2. Et on peut déterminer ça sans la projection car on a fi2. Et fi2 est égal à moins 2 à mw carré w au carré sin oméga ti2 sans projection. Question partie 2, c'est projection sur j2. On projette l'équation 1 fois sur J2, c'est-à-dire on fait la multiplication produit scalaire fois J2. Donc on a R intégral 2 à M W carré cos oméga T. Et projection sur K1, on a l'équation ou l'équation 1 fois K1. Donc, on trouve que RZ moins MJ est égal à 0. Donc, RZ est égal à MJ. Finalement, donc, R est égal à 2 à MW carré cos oméga TJ2 plus MJ KA. Seulement, on remplace RN par sa expression et RZ par sa expression. Troisièmement, force d'inertie d'entraînement. On a force d'inertie d'entraînement est égal à moins M, l'accélération d'entraînement. Est égal à AMW au carré sin oméga TI2. Force d'inertie de Coriolis est égal à force C au moins M fois l'accélération de Coriolis est égal à moins 2 à AMW au carré cos oméga TJ2. Dans cette partie 2, on a appliqué le principe fondamental de la dynamique fil R2, c'est-à-dire repère relative. Donc, puisqu'on rapplique le principe fondamental dynamique du repère relatif, donc il faut ajouter la force d'entraînement et la force de Coriolis. Ou fait l'accélération relative, mais pas l'accélération absolue. Donc, la somme de forces extérieures plus la force Coriolis plus force d'entraînement est égale à M, l'accélération de 1 par rapport à R2. Est égal à R plus P plus F, on ajoute une force d'entraînement, force de Coriolis, est égal à M, l'accélération relative. Donc, on remplace R par l'expression d'Hellol, P par l'expression d'Hellol, ou on déroule la somme. C'est-à-dire, on jumeau, F plus AMW au carré sin oméga TI2. Plus Rn moins 2 à m w au carré cos oméga t j2, plus Rz moins mjka,
تتساوي مع A M دبليو في كاري سين أوميجا تي إي دو. دونك في بروجيكسيون دو نجمة سيتادير ليكواسيون نجمة هادي نجمة سير إي دو سيتادير أون في لا برودوي سكالير دو نجمة فوا إي دو. Donc on trouve que F plus AMW sin omega t, c'est moins AMW sin omega t. Donc F c'est moins 2 AMW sin omega t. Donc F, le vecteur F, c'est moins 2 AMW sin omega t fois I2. Projection de l'ajma sur J2. Donc on trouve Rn moins 2 AMW cos omega t, c'est au 0. C'est-à-dire que Rn est égal 2AMW au carré cos oméga t. Comme vous voyez, on trouve le même résultat lorsqu'on le résultat trouvé dans la question où on applique le principe fondamental dans le repère RE absolu. Donc, projection de Nijma sur KE, on trouve RZ moins MJ est égal à 0. Donc, RZ est égal à MJ. Donc finalement R est égal à 2 AMW carré cos oméga TJ2 plus MJKE. Donc on trouve le même résultat que nous avons trouvé dans la question précédente lorsqu'on applique le principe fondamental dans le repère absolu RE. Et ça justifie que notre résultat est vrai. Et ça c'est la fin de l'examen. Bonne chance, bonne continuation.